Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un cake salé pour l'apéritif aux noisettes et aux lardons d'Inde. On a besoin de 180 g de farine, 100 g de fromage râpé, 100 g de lardons d'Inde fumés, 60 g de noisettes, 100 g d'olive noire, un verre d'huile, 20 centilitres de crème liquide, 3 œufs et un sachet de levure. Commence par les œufs. On va y mettre les 3 œufs. Il faut un petit peu, juste un peu de vin, comme ça. On va mettre l'huile. La crème liquide. Voilà, les 20 centilitres de crème liquide. Et on va mettre la farine. Pas la peine à la faire doucement, la farine est tamisée. Je ne mets pas de sel parce que les lardons ils sont salés, les olives salées. Et le fromage salé, on n'a pas besoin de sel. Là, on met le fromage. Fromage. Les lardons. 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 Les noisettes. Les olives. Et après, à la fin, tout le temps, il faut mettre la levure à la fin. Faut pas la mettre en avant. Et la levure. Et il faut prendre un moule que j'ai beurré avant. J'ai beurré le moule. Et on va mettre dans le moule. Faut rien laisser dans la saladier. Voilà. Il faut le faire cuire à 160 degrés pendant 30 minutes. Si ça manque un peu, il faut planter un couteau. Si ça sort sec, c'est le gâteau. Et cuit, si ça sort un peu mouillé, rajoutez 5 minutes. Et voilà notre cake est prêt après 30 minutes de cuisson. Hein. On va le retourner. Ne pas les comment. Bien chaud. Aouh! Et maintenant on va regarder. Il faut pas le couper trop chaud, hein. Il faut laisser refroidir un peu. Moi je vais le couper pour vous montrer. Voilà. Voilà notre cake.
Il y a les olives, il y a les noisettes, il y a les lardons. Voilà, c'est pour l'apéritif ou bien si vous voulez pas pour la avec une salade pour le midi. Avec une salade, une bonne salade, et c'est très bien. Notre cake est bien prêt. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des commentaires.